Jeune à Neuchâtel, j'ai fréquenté le centre d'animation et euh, j'ai fait toute mon adolescence euh, au centre d'animation. Et très vite, on m'a donné des responsabilités. L'animateur du moment m'a donné des responsabilités. Entre autres, il y avait des concerts aussi euh, à, à Neuchâtel. Et euh, je me souviens très bien du concert d'un concert d'Henri Des, quand il chantait encore pour les adultes, pas pour les enfants, et que l'animateur a dû partir. Euh, ce jour-là, il, 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 il a eu quelque chose d'important. Il m'a dit, "Ben toi, tu reprends la... Je devais avoir 15 ans, hein, 15, 16 ans. Tu reprends ce concert ce soir. Tu décides si c'est en plein air ou pas en plein air. J'ai eu cette responsabilité d'entrer à cet âge-là. Donc il a fallu prendre des décisions. Il a fallu gérer ça, gérer euh, les, les gens de la, de la Sono, etc. L'accueil des, des, des artistes. Et c'est un peu comme ça que ça a commencé, ça s'est hyper bien passé. Il y en a eu d'autres, de concerts où, où il n'était pas présent aussi, hein, je dis euh, entre 15 et 16 ans. Donc il y a eu ça. Il y a eu après mon implication euh, comme moniteur, évidemment, comme moniteur de camp. Et, euh, et puis finalement, j'ai fait ma formation en cours d'emploi à Neuchâtel, d'animateur. Donc c'est là. Mais je dirais qu'après... C'est l'aspect politique qui m'a fait entrer dans, dans l'animation. Pour moi, c'était un, un, un moyen très, très fort euh, de faire de la politique. Euh, au travers de, des, des théories qu'on avait à cette époque-là, en tout cas, la cogestion, donc donner des responsabilités aux jeunes, très vite, euh, les rendre responsables. Et euh, j'étais dans un milieu politique... De par ma famille avec un père communiste à l'époque enfin j'entends il y avait toute cette, euh, cette ambiance là euh, qui, qui que j'avais quoi et ça il n'y a pas de doute et mais je suis jamais rentré dans un parti politique parce que je voulais garder cette liberté là et qu'on ne me mette pas dans des cases ce qui était hyper important pour et ce, je redis c'est aussi hyper important dans l'animation et j'ai toujours gardé ce cap là tout en faisant énormément qu'on le veuille ou non de politique au travers de ça il n'y a qu'un centre d'animation à Neuchâtel donc on était devenu quand même important parce que euh, moi j'ai enseigné le cinéma tiens pendant des années euh, avec une pédagogie cogestionnaire c'est-à-dire qu'on travaillait en, en linéaire il n'y avait pas de hiérarchie on évidemment j'étais le, le prof entre guillemets mais euh, on travaillait en fonction de leurs propres demandes de leur propre créativité si tu remets dans le contexte de l'époque, c'était déjà une révolution. On arrivait gentiment vers les années 68, 70, enfin on était dans les années 70. Il y avait des changements qui se passaient, mais c'était encore un peu mal vu. On avait vraiment instauré énormément de choses là-bas, hein, à tous les niveaux, parce que y a, on, quand il n'y a qu'un centre, on travaille sur une ville et pas sur un quartier. Donc on a, euh, on a un grand, un grand potentiel de fonctionnement. Ça, c'était assez fantastique. D'où mon étonnement en arrivant sur Lausanne. C'est à la suite d'un gros conflit avec la municipalité neuchâteloise qu'on a tous démissionné euh, au centre de loisirs de Neuchâtel. Et on s'est tous euh, trouvés à un moment donné. Euh, sans travail, donc, et c'est sûr et un peu le hasard qui a fait et, et des rencontres qui a fait que je suis arrivé à, à Lausanne. Et euh, je suis venu visiter le centre de loisirs des Bergères Et c'est un abri antiatomique, donc c'est pas vraiment très drôle comme, comme espace. Et je me suis dit, mais jamais je vais pouvoir travailler là. Tu euh, vois, pas de fenêtre, rien du tout. Hein. Puis ben, j'y ai passé 20 ans. C'était difficile au début de prendre ces marques sans lumière, etc. Mais ça avait un potentiel, ce lieu a un potentiel, une salle magnifique pour faire plein de choses. Notre rôle, c'est de permettre euh, l'ouverture, la création, euh, euh, la propre prise en charge par eux-mêmes des, des choses, la cogestion. c'est comme ça qu'on fonctionnait. On, on partageait. D'ailleurs, quand je suis arrivé à... à Aubergère, j'étais tout seul animateur. Donc il fallait bien s'appuyer sur quelque chose ou sur quelqu'un pour, pour pouvoir euh, avancer. Et moi, j'ai beaucoup travaillé avec, en collaboration et en, en co-gestion avec les, les ados. On a tout mis en place ensemble. Tout seul, je ne pouvais rien faire. Donc on a tout créé ensemble, on a recréé un comité, enfin, etc. Euh, et et c'était une phase passionnante, cette mise en place. Euh, de la structure du, du centre de loisirs. Il faut aussi dire qu'on était quand je suis arrivé, on était en, dans le même comité. C'est un comité entre Boisy qui, eux, touchaient les enfants et Bergère euh, qui était adolescent, qui avait une, vraiment. Euh, C'était vraiment le lieu adolescent. Mais euh, on touchait à l'époque euh, 8000 francs par, 100, par association. Et, et ça voulait dire pour nous 4000 francs pour l'année, hein 4000 francs pour l'animation, la gestion et tout par année. Donc on pouvait, c'était difficile de s'en sortir. C'est aussi pour ça qu'on a souhaité créer notre propre association et se séparer de, de Boisy. Donc on est devenu l'association du centre de loisirs des Bergères avec pas mal de jeunes dans le comité et et puis de, de gens du quartier. Quoi. Le centre de loisirs est dans un collège, aubergière, c'est au pied du collège, donc on était quelque part associés au collège. Pas toujours facile comme situation, ni dans la collaboration avec le collège d'ailleurs, mais on, on était dans le collège. Euh, donc à midi, c'était l'ouverture. Il y avait l'ouverture euh, entre midi et, et deux heures, jusqu'à qu'ils reprennent l'école. Et puis, on ouvrait à 4 heures jusqu'à, en général, 22 heures, jusqu'à 10 heures, pratiquement tous les jours. Et le samedi, il y avait des concerts aussi tous les samedis, tous les deux samedis, jusqu'à minuit, une heure, deux heures, quoi, ça dépendait. C'était le lieu où les jeunes venaient pique-niquer, manger, euh, s'éclater, jouer ping-pong, euh, discuter avec nous, parce que c'est aussi un lieu important pour ça, un centre d'animation, c'est qu'on est... Que on est... On est des adultes, mais pas des profs, pas des parents, euh, mais d'autres adultes. Donc on est, on est les confidents de, de pas mal de jeunes dans leurs problématiques. Donc c'est un lieu important pour ça. C'est un lieu de sociabilisation aussi entre eux. Et bon Dieu, si les bergères c'était important, parce que la configuration des bergères, donc abri anti-atomique, caché, du quartier, mais un long couloir très sombre pour rentrer. Et les jeunes devaient faire un énorme effort pour rentrer, pour ne pas être critiqués parce que tous les regards euh, se mettent sur eux. Et euh, il fallait être très très fort et oser passer ce cap. Une fois qu'ils ont passé le cap, c'était, ils étaient bien, ils étaient acceptés. C'est en 81, il y a eu toute la phase de, de, de Lausanne bouge. Lausanne bouge, on y a aussi été euh, impliqués énormément, ce qui a failli euh, valoir ma place d'ailleurs. J'ai eu pas mal de remarques parce qu'évidemment, quand on travaillait avec des ados et des jeunes, euh, ils étaient concernés et nous, on l'était avec eux. Et le besoin de liberté à l'époque à Lausanne, il était là, il était fort. Parce que c'était une ville très très policée. Et euh, au moment, et, et, et un peu avant 80, euh, on avait par exemple des descentes de police de deux à trois fois par semaine, quand on était ouvert à l'accueil tout simplement. Et, et c'est vrai que c'était une période assez étonnante. Enfin, pour moi qui venais de Neuchâtel, on était quand même beaucoup plus libre par rapport à ça. Et quand on travaillait avec des ados. Euh, ici, sur Lausanne, c'était euh, étouffant. Donc, cette phase de Lausanne-Bouge, c'était comme, comme je l'explique, c'était une, une, une chape de plomb sur, euh, sur la vie culturelle des jeunes euh, lausannois. Et euh, les premières manifestations, si je me souviens bien, ont eu lieu à Zurich, qui avait un peu cette même euh, configuration euh, de chape de plomb. Euh, et, et, et ça a eu cette envie de. de bah, de s'ouvrir, de vivre, quoi, et de, de montrer qu'on que existait en tant que jeunes. Donc, nous, on a vu arriver ça aussi euh, en tant qu'institution. Donc, il y avait institution, centre de loisirs. Et euh, c'était un peu, un peu compliqué entre la municipalité et les institutions comme nous, parce que, euh, étant vraiment confrontés à ça avec les jeunes qu'on avait là, euh, et subventionné par la municipalité, évidemment, euh, ça devenait assez compliqué. lausanne bouche depuis les institutions, on l'a vécu comme ça. Quoi. On devait se cacher un peu à, dans la participation, dans notre participation à ces manifestations. C'était assez intéressant. On avait, c'était toute cette phase punk aussi, hein, donc euh, de nos futurs, etc. C'était des moments passionnants à vivre parce qu'il y avait de la revendication, il y avait quelque chose de, de, de vivant, euh, tout, en, tout en voyant quand même des illusions de, de la vie des, des jeunes à ce moment-là. Et c'est de là qu'on a commencé les concerts, le samedi soir, des concerts rock. C'est de là aussi qu'a démarré le régional rock. Hop Hier yeah. Tout le temps de ce métier-là, tu anticipes les choses, tu vois arriver les choses. Ton rôle, c'est un peu ça c'est de les voir arriver, de les devancer et de, de se préparer à, à ça. Quoi. Et donc là, on voyait arriver lausanne bouge, on voyait arriver l'envie et le besoin de, de créer, enfin, d'avoir de, de, des besoins de scène, de, de salles de, de rock. Euh, ça, ça demandait, ça pesait. Donc tu, tu l'ouvres, tu ouvres tes lieux, tu ouvres ta salle, tu leur proposes une, une superbe sono qui puisse euh, s'exprimer, quoi. Là aussi, j'ai eu la chance de travailler avec un, un sonorisateur qui, qui a fait Beau Sobre, etc., qui s'appelle Denis Gaillard, euh, qui a fait tout le Régional, jusqu'à présent, donc 35, 36 ans de Régional Rock, il l'a fait tout avec moi. Et ça, je trouve extraordinaire. C'est grâce à des gens comme ça qu'on a pu avancer est ce genre de lien. Tout est, tout est en une histoire de lien dans notre métier, finalement, et de rencontres. J'ai fait quelques années tout seul, où je me suis appuyé sur les jeunes. Et ça, c'était une chance pour, pour travailler. Après est arrivée l'équipe Michel et Ariane. Et là, on a tout fait ensemble, et c'était l'avantage de l'époque et de cette période-là de l'animation, c'est qu'on faisait les camps ensemble, à trois, on faisait toutes les animations, on travaillait tout le temps à trois. Et ça, ça a soudé cette équipe, et ça a permis des, des créations fantastiques. Quoi. Un des moments importants du, du, du centre d'animation des Bergères a été aussi euh, notre voyage et le travail qu'on a fait avec la Roumanie. En, je rappelle qu'en 89, le mur est tombé. Euh, la Roumanie avait un dictateur qui s'appelait Ceausescu. Et euh, que tout ça, en décembre 89, est, est tombé, donc ça s'est ouvert. Et je crois que là, l'Europe s'est rendu compte qu'à une heure et demie d'avion de, de chez nous, il euh, y avait un, une population qui, qui vivait dans à peu près 100-150 ans en arrière de nous. Euh, C'était très très surprenant. Et le, on a été mandaté, euh, la fondation, pour, euh, pour, faire, pour donner la possibilité aux jeunes de là-bas de venir découvrir un peu le, le monde dans lequel ils vont arriver quoi, finalement, puisque les frontières se sont ouvertes. Et c'est pour ça qu'on est allé très vite en Nantes euh, avec l'association lausanne saint georges bay la ville de Lausanne, quoi, on était subventionné pour ces projets-là par la ville de Lausanne, euh, l'équipe d'animation des bergères on est allé faire euh, un constat de ce que vivaient les adolescents, c'était notre travail à nous, travailler avec des ados, euh, de ce qui vivait là-bas réellement. Et puis on a mis en place après... Euh, un, un échange de jeunes. Donc il y a une trentaine de jeunes, si je me souviens bien, qui sont venus ici avec un programme bien bien étudié, l'impossibilité de ce qu'ils pouvaient faire, voir les, les campagnes, voir les paysans. C'était vraiment très paysan pendant sept ans comme ça. C'était très très intéressant. Il y a des choses qui se sont faites. Il y a des stagiaires qui sont venus ici. Il y a, il y a des artistes qui sont venus exposer à Lausanne aussi. Et tout. Il y a eu un échange très très fort. Belle période pour nous, animateurs socio-culturels, parce qu'on a vraiment pu pédagogiquement travailler là-dessus. Un autre des, des, des moments que je trouve important, c'est le Noël à la gare. Ça, c'est la, la vision euh, euh, vraiment sociale poussée de, du centre des bergères. Le Noël à la gare, c'est que, et ça existe encore, maintenant, ça doit être 35 ans, que j'ai passé tous mes Noëls. Euh, avec Michel, entre autres, de l'équipe, et tout un tas de bénévoles euh, devant la gare. Il y a énormément de personnes qui dorment. Je dis, il y a de ça 35 ans avant qu'ils refassent la gare. Et on est parti euh, un soir de Noël, un 24, une boîte sur le dos, la soupe qu'on avait préparée, le pain, etc. Et on est allé passer toute euh, la soirée, voire la nuit, devant la gare. Euh, à, à offrir, à manger et surtout offrir notre temps parce que c'est ça qui est important à la gare. Il y a un degré d'émotion qui est énorme les, les nuits de Noël. Donc euh, on a fait ça plusieurs années avec la boîte sur le dos, puis on est avec l'équipe du centre après. Euh, on a affiné ça, on a ouvert davantage et on a pu officiellement avoir un espace. Euh, en collaboration avec le buffet de la gare, un espace d'accueil tous les 24 euh, décembre, tous les Noëls. Donc, on nous a mis à disposition chaises, tables devant le buffet de la gare. Et puis, euh, au fur et à mesure de la collaboration, ils nous ont fait la soupe. Pendant des années, ils ont fait la soupe qu'on pouvait offrir dans un chaudron, etc. Et ça existe toujours. Hein. Cette année, ça va être différent parce qu'il y a la gare qui va se transformer. Donc ça, cette partie-là va être fermée. Mais euh, voilà, on a, on a, ce qui était important, c'était l'accueil des gens, ce, ce, cette nuit-là. Après, il y a toutes les activités de, de, de quartier hein, qu'on qu fait aussi. Toujours l'idée étant euh, le lien social dans un quartier, la base de l'animation, amélioration euh, de la vie de quartier. Donc, les moyens sont, sont euh, par exemple, euh, au on a monté euh, euh, les premières, euh, comment on appelle ça, fenêtres de l'avant. Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est un moyen de pédagogique qui est génial, un moyen, un moyen de lier les gens. Chaque soir, il y a une nouvelle fenêtre qui s'ouvrait dans le quartier et euh, elle était décorée et les gens qui décoraient nous accueillaient. Alors, il y avait du de tout. Des fois, on avait une soupe, une soupe. Parfois, on avait des saucisses, des grillades. Et pendant, pendant un mois, à peu près, c'était la fête tous les soirs dans le quartier. Mais ça a permis de, de se faire se rencontrer tout le monde. Et, et c'est génial parce que ça existe encore au Bergier. Donc, ça fait au moins, encore une fois, au moins 20, 25 ans, 30 ans que ça, que ça se fait. Dans l'évolution des, des centres, on est parti avec un budget dérisoire, ce qui nous obligeait euh, de faire des recherches de fonds. Alors, euh, pour ça, il y avait, il y avait euh, des possibilités de chercher des, des, des encarts pour le Régional Rock, par exemple, des encarts publicitaires, on devait faire des sous-tables, enfin, il fallait chercher, le moindre sou était hyper important. Donc, il y avait de ça et on a fait des marchés. On a fait des marchés avec. Euh, quand il y a eu la, la phase, euh, le retour de la phase qu'on a appelée Baba, les jeunes avaient envie de recréer, de recréer des trucs en bois, etc. Ce qu'on a développé à fond avec eux euh, et, euh, et, et fait des, des ventes euh, de jouets en bois, des choses comme ça pour gagner un peu d'argent. Tout ça pour pouvoir se payer des camps ou des des voyages avec eux. C'est vrai qu'on ne regardait pas du tout nos heures de travail. On avait cette chance de ne pas avoir de gris de travail encore à cette époque-là. Et quand elle arrivait, moi, je... on était quelques-uns à l'avoir refusé pendant un bon bout de temps. Mais ça nous permettait de, de, de vivre ce travail comme une passion, perpétuellement. C'est-à-dire que tu partais sur un projet. Il y a... Tu partais sur le projet, tu allais jusqu'au bout, il y en a un qui t'arrivait en même temps, Paf, tu repartais aussi sur l'autre projet, sans regarder les conséquences, parfois dramatiques, j'avoue, familialement parlant, euh, les conséquences ça pouvait amener. Mais quelle passion, c'était une période où on avait tout à inventer quand même, tout à créer, et ça c'était une belle période de l'animation, je dirais. De reprendre Grand Vain. et ça c'est un défi parce que Grand Vain était fermé euh, pendant une année, était fermé une année à la suite d'un conflit, etc., d'un conflit qui a eu là-bas, là et il a fallu relancer euh, Grand Vain. donc tout recréer, redémarrer à zéro. Et là aussi, c'était peut-être pas par hasard que j'arrivais là-bas, c'est aussi dans un collège finalement. Et les centres d'animation dans les collèges, il n'y en a pas tant que ça. Mais on, on sait qu'on doit fonctionner un petit peu différemment et qu'on doit essayer en tout cas d'avoir des liens avec le collège. Et forcément, on en a en tout cas au travers des jeunes qui fréquentent le centre aussi. Il n'y a pas que des jeunes de quartier, etc. Mais, mais voilà. Et, et entre autres, euh, avec l'école d'études sociales, ça c'était quelque chose, quand je suis arrivé à grand -Ven de pour moi de super euh, étonnant. Parce que l'animateur précédent avait développé pratiquement tout sur l'école d'études sociales. À savoir que les midis, c'était euh, vente de sandwich, etc. Pour l'école d'études sociales, il n'y avait pas de jeunes. Donc, ça, c'était une phase euh, à nouveau euh, hyper importante et intéressante, hein, d'aller draguer un peu dans le quartier, comprendre un quartier, euh, rencontrer les jeunes, etc. C'était passionnant. C'était une phase passionnante. Alors on a mis en place une, une association et on a redémarré euh, avec des, des, des sondages un peu pour comprendre les besoins de ce quartier. Et il y avait un gros besoin adolescent aussi dans ce quartier. Donc euh, comme on était dans un collège, il y a aussi le besoin d'ouvrir à midi. Il y a eu des moments difficiles à Grandvenne parce que c'était, euh, comme dans tous les quartiers, il y, a moments, il y a des moments difficiles avec certains ados en, en déshérence, on va dire ça. Et souvent, qui font couler le lieu, c'est compliqué. Euh, et, et là, il a fallu remettre au point un certain nombre de choses. Mais on a, on a pu bien régler ces problèmes-là, recréer des camps, recréer euh, euh, toutes les activités d'un centre d'animation qui va de la petite enfance, parce qu'on avait une, une alte garderie de petite enfance là-bas, jusqu'aux adultes. Quoi. Donc, toutes les activités ont repris là-bas. Moi je suis arrivé avec le Régional Rock en partant des Bergères, je l'ai amené à, à grand Ven. On a relancé le Régional Rock à grand Ven, on a relancé euh, une autre euh, activité rock qui s'appelait le Grand V-Rock et qui propose une fois par mois des concerts aussi, qui tourne toujours aussi actuellement, qui a été bien repris par l'équipe, euh, la nouvelle équipe de jeunes qui, qui, qui est là maintenant. Moi, je ne modifierais rien, je donnerai la possibilité de vivre ce qu'on a vécu, nous, dans la liberté de travail. Je vois, quand je vais voir les collègues, l'importance de l'administration qui s'est mise en place, l'importance des grilles. Euh, je regrette presque qu'ils n'aient plus beaucoup de liens entre animateurs. Nous, on avait beaucoup, je, je trouve qu'on avait beaucoup d'activités ensemble des projets qu'on montait ensemble entre animateurs de, de lieux différents, hein, et, et qui donnaient des résultats fantastiques, parce que tu apprends à, avec les autres, et les autres apprennent de toi dans tes difficultés, etc. Euh, et je ressens, c'est peut-être prétentieux, mais je ressens que ça, c'est quelque chose qui est gentiment euh, tombé. C'est peut-être une logique de société, hein, je veux dire, il y a des changements, les jeunes arrivent, ils n'ont pas le même vécu. Mais j'ai beaucoup de regrets que ça, ça tombe, vraiment. C'est ce que je ressens. Je trouve qu'il y a encore une marche de liberté dans ce travail qui est énorme. Que quand on le veut, il y a une possibilité de déplacer les montagnes comme on a tout le temps déplacé les montagnes, autant pour la Roumanie, autant pour le rock, autant pour les phases différentes de société. Moi, je trouve important. Mais je repars tout de suite parce que je n'ai pas vu le temps passer. C'est une chance incroyable dans un travail, dans une vie, de ne pas voir le temps passer. C'était une vie passionnante, passionnante tout le temps, qui part dans tous les coins, dans tous les sens, et c'était cette force-là, puis, puis, puis la force des rencontres, la force euh, ouais, de toutes ces rencontres, de, tout, de tous ces échanges, du, du partage. Tout ça sont des, des, des moments d'animation et d'une vie qui sont fantastiques et que j'ai hyper bien vécu. Mais trop rapidement <laughs>